Vous allez poser vos questions. Bonjour à tous. C'est le jour vraiment avec le nouveau départ de Lyon. Ça, c'est clair. Il y a que il n'y avait pas le choix. Après deux documents comme ça, il faut changer. C'est cela que vous devez enlever. Faire la plus forte. Maintenant, ça va être une nouvelle génération des joueurs. Ça ne dire pas que les joueurs qui ne sont plus avec nous sont des mauvais joueurs, c'est pas comme ça. Mais il faut couper parce qu'on a besoin de notre mentalité. Après, on a fait avec beaucoup de joueurs, on fait deux Coupes du Monde. C'est pourquoi, pour moi, c'était la décision qu'il faut faire une reconstruction, il faut faire une formation, une équipe. Avec une mentalité vraiment très très forte pour un avenir meilleur. Et c'est pourquoi ce n'est pas le moment de discuter des grands problèmes, vraiment, parce que c'est le moment où on a arrêté, et tous les joueurs sont là, ce matin, ici, il faut que vous montez. Arrivé, par exemple, les derniers sont arrivés, et ça veut dire que le travail c'est bon, on peut continuer comme ça. Et déjà, demain après-midi, on va faire le déplacement. Deux préoccupations, l'une s'adresse à l'entraîneur et l'autre au capitaine. Donc, coach, je voudrais savoir, depuis que vous travaillez, est-ce que vous avez déjà jeté un peu un regard sur vos plus prochains adversaires, la RDC et puis la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous en savez et à quel niveau ils sont souhaitiez prendre? Et puis, par quoi est-ce que vous allez commencer maintenant que vous êtes le boss parmi vos coéquipiers? Merci. Voilà, une deuxième question, on va répondre. Et, dans le travail, pour moi, c'est nécessaire qu'il y a quelqu'un qui travaille au niveau des joueurs professionnels qui sont en Europe. Et lui, il a vraiment l'expérience de Olympique Marseille.